Mais bon, premier jour, niveau 30, et on va finir au moins World Tier 3, quoi qu'il arrive. Donc c'est déjà pas mal. Salut Senzo. Il est chez lui. Casse les couilles Jean-Michel. Ok. Si on crache en mission multi, yes, yes, yes. Non, on revient avec ses alliés, tout va bien. T'inquiète. Fort heureusement, sinon j'aurais ragé un paquet de fois. Déjà que ça me saoule de crash, non, au moins tu reviens au checkpoint avec tes alliés, tout va bien. Je sais que pour conserver le moelleux, tu peux les conserver dans une boîte hermétique plus frigo. Au frigo? Ah ouais? Parce que moi ils sont dans une boîte à cookies en fait, enfin une boîte à gâteaux, tu vois. Pour l'instant, ils sont bien moelleux encore. Mi-moelleux. Pardon Lucas? Tellement gras qu'ils resteront brûlés. Ah ouais, mais ils sont gras, mais à un point foutre diable quoi. Je me suis lancé hier, j'ai pris le pack découverte Holy Energy. Ça marche. Pas le mix, tiens. T'as bien pensé au code Ice K5, c'est dommage, t'as une promotion supplémentaire. À quoi de point de vos clients, on est pas mal en ce moment. Parce que j'ai pas vu d'alerte. Hop. Bah écoute, j'espère que t'apprécieras. Ça t'intéressait pas du tout le pack mix. Qui est moins cher en plus, je crois, que le Energy. Et quitte à l'énergie et l'autre. Mix Ice Tea Energy. J'ai mis un code. Alors t'as mis un code. Ah, c'est l'air pas le mien. Pas de soucis, c'est le cas. Ou j'ai, parce que j'ai dû rater le. Ou alors t'as peut-être juste mis le code ISK et pas SK5. Et c'est pour ça que j'ai pas eu la notif. Et pas de soucis. Parce que pour un nouveau... Si Ice Skate ou quoi, il me semble, voilà. En fait, pour un nouveau client, sauf si t'as pris un gros pack, mais quand t'as pris le pack énergie, ça serait revenu moins cher de mettre le code SK5 en fait. Code SK5, c'est 5€ en moins, et le code SK, c'est 10% en moins. Mais comme le pack découverte, c'est 25 balles, bah le code SK5 est deux fois mieux. La bonne nouvelle, c'est que tu pourras réutiliser le code SK5 pour ta prochaine commande si t'aimes bien. En gros, c'est pour les nouveaux clients qui n'ont pas encore utilisé le code. Le... Putain. Le code SK5. Oh, vache, merci beaucoup. Ça arrive. Très chouette arme en tout cas ça. Et ce qui est bien c'est que ça reload vite. Ça me change des armes ou faut, je sais pas combien de temps pour reload. Et donc logiquement, allez on voit les buffs. Vous avez un buff quand vous êtes à moins de 10 mètres de moi. Bon alors là pour le coup pour l'instant c'est pareil que c'est pas giga utile. Par contre certains goûts ne sont pas dans le pack vert, je me trompe. Tu as parfaitement raison, les deux derniers goûts, Lemon Lizard et Piranha, ne sont pas dans le pack découvert. Ils seront ajoutés dans le futur mais pas pour l'instant. Tous les autres le sont par contre. Sauf si t'as pris le pack OG Energy en gros avec les serveurs originels. Grenade en tout cas, et c'est normal que ça parle dans le pack découvert parce qu'ils sont en rupture de stock complet pendant encore plusieurs mois. Et Lemon Lizard, ils ont juste pas encore à faire évoluer leur pack en fait, c'est tout. Lance-flamme, et c'est parti. Crame enfoiré, crame.
autant qu'il ce con. Ah, je vais crever. Si t'as un heal, Moon, je suis grandement preneur. Ouais, j'ai pas vu qu'il y avait un sniper jaune. Pas de soucis. Il est où le gros con? Attends, il est là-bas. Ils font partie de ceux qui... Oh merde! Je suis un connard. J'enlève mon bouclier quand j'arrive dans le mob. Ils font partie de ceux qui me tentent, Lizard et Piranha. Et ben, tu vois par exemple, admettons, je pense que tu reçois ton pack découverte ce week-end, cette semaine, ok? Ce week-end, je passe ta suivi, mais je fais partie du Poichy Clash. Pour tous les streamers du Poichy Clash, les viewers qui suivent les streamers, vous aurez 20% de réduction en tout. Donc c'est une belle réduc. À partir de 50€, ça sera l'occasion, si tu veux, justement, de prendre un pack de Lemon Lizard, si tu aimes bien le principe. Parce que logiquement, étant donné qu'on est mardi, livre vite, tu devrais le recevoir, je pense, jeudi ou vendredi, ton pack découverte. Sauf s'ils sont en rupture, ce qui arrive. Coucou l'Unity. Ah, Moon a été tué aussi. Là, c'est plus que Lucas qui a un point de vie. Large. Large, large, large. Putain, mais le gros, pourtant, je lui ai cramé sa gueule et ça n'a rien fait. Non, je lui ai dit, même mon snipe, il a du mal à passer à travers la maison. Il faut que je le passe à la... Oh, t'es bien là, Lucas. Avec les coups de crosse. Oh là 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 là. Tout va bien, tu es bien. En vrai, tu peux peut-être aller Red Moon. Et si avec d'autres questions sur Oli, dis surtout pas Zenzo. Ouais, mais il monte pas, bizarrement. Ah oui, tu le vois sur ta gauche. Sur le master, en fait. Je fais le tour, ça passe. Easy. Ah, il serait pas en train de désactiver le missile, là, le gros con? GG. Je pense que vous pouvez me reste aussi. Ah, c'est le snipe, ça, justement. Ouais. Nice. Eh, il est pas mort même après avoir explosé. Hein. Quel enfer. Ouais, ouais. Putain. Ah, mais il y a deux temps qui pop. Je suis au fond, je suis solo. Hein. C'est qui que je regarde? Ah. Parce que la Moon, il va mourir. Tu peux me reste avant. Derrière toi, Lucas. Ah, la recharge, terrible. Ah, oh, je sais pas viser. Ah, tu l'as raté. Parce que moi, je te voyais recharger, mais je t'ai pas vu tirer. Le premier tir, je l'ai tiré, j'ai raté. En plus, le temps de recharger. Terrible. Terrible. Je vais te rendre. Vas-y, Moon, Moon. Ah, j'aime bien le boss. Le gras, c'est la vie. C'est sa phrase. Pas une blague. C'est quoi que t'as mis, Buffalo? Faute de prolongation de contrat, les jeux de Blizzard fermeront bien en Chine ce 23 janvier. Ah! Et net... Attends, c'est... imaginez quand même les belles relations, quoi. Aujourd'hui, Blizzard a sollicité une extension de contrat refusée par NetEase. NetEase, développeur de Diablo Immoral. Lol. Bon, on va lui cramer sa gueule à lui, là. Allez, brûle! Brûle, enfoiré, brûle! Allez, ouais. Allez, c'est bon. Putain, GG. Émission HES, c'était le boss. Il était costaud, hein. GG, messieurs. Ok. Petit loot à prendre à droite et à gauche. Alors, le résumé, ça donne quoi? Oh, je suis nul. Oh, les gens qui respectent pas rendez-vous, j'aime pas ça. Ah, ça. Carnage le plus long, super. Ennemi brûlé, ouais, bah encore heureux. Encore heureux que je sois premier sur un arc j'ai de lance-lame. Ah, j'avais plus qu'il y a du orange là-bas. Ce sera un peu triste sinon, quoi. Par contre, c'est vrai que Blizzard qui perd le marché chinois, ça va leur piquer. Hein.
parce que c'est un gros gros marché pour eux. Transmission. Est-ce que t'as la forteresse débloquée maintenant ou pas? Bonne question. Non, parce que quand tu l'as débloquée, en fait, t'as une cinématique. Et non, effectivement, je dois aller faire muser l'air et l'espace. Hein, ouais, oh, c'est con ça, comment ça se fait ça? Alors, débit fort, va falloir vraiment arrêter avec ça, chaque Assassin's Creed. Surtout, c'est pas un shooter-looter. Donc, c'est un MMO de survie. Et s'il vous plaît, arrêtez avec The Day Before et First Descendant, pour le coup, parce que on peut le suivre, mais on n'a pas encore assez d'informations. Il y a un peu joué, c'est sympathique, mais voilà. Et pitié, The Day Before, arrêtez d'être con avec ce jeu. Utilisez votre... En fait, même pas utilisez votre cerveau, utilisez vos yeux. Là, je veux dire, c'est une arnaque relativement obvious, quand même, sur certains points, donc bon. Il y a trop de choses qui vont pas dans leur développement. Le jeu est censé sortir dans un mois et demi, on n'a toujours pas vu une seule vidéo de gameplay. Une vraie vidéo de gameplay. On connaît pas le modèle économique, on connaît rien du jeu. Enfin, les gars... S'il vous plaît, respectez-vous, quoi. Vous allez mieux que ça. On va donc... Bah, on va faire celle de Moon. Ouais. Attends, tac. Juste avancer un peu le stuff. S'il vous plaît, quoi. Ah, moi, j'en peux plus de les before. J'ai envie de ban tout le monde. Hein. C'est compliqué, hein. Et au pire, ban le mot. Peut-être. Fusil de calibre 12, donc lui 80k. Score dégâts, tac. Okay. Alors comment ça... Ah, lui par contre il se recharge balle par balle, ouais. Et donc il va faire par contre plus mal. Ah putain, j'ai une exec publique juste devant moi évidemment. Oh putain. Oh fuck. J'allais vers la mission et exec, coucou en chaîne. Que je vous préviens, ça sera la dictature s'il le faut, mais moi les fanatiques des before, allez ailleurs. Je préfère vous ban plutôt qu'autre chose, hein. Ça va me fatiguer. Bon, je suis mort comme un caca. Je bannerai dans le lard. Bon, est-ce que ce serait pas l'heure d'aller chercher un petit quart de cookie? Je reviens. Allez devant la mission et je me TP sur vous. Heureux. Heureux. J'ai fait le bolzi, j'ai pris un cookie entier. Ouh. J'en suis à la moitié, je suis complètement calé. Qu'est-ce qu'ils sont bons. Black Tusk has already established a foothold here. Local area network detected. Check any terminals or laptops you find. The more intel we collect on Black Tusk, the better we'll be able to counter them. Il faudrait qu'elle les refasse pour la crémaillère. Là, il y aura du monde. Juste pas Lucas qui pourrait aller manger, tant pis pour lui, mais voilà. T'inquiète, tu pourras aller prendre les cookies du resto vegan. Ils en font tous les jours. D'ailleurs, je suis deg, ils ont fait une mousse au chocolat aujourd'hui, mais avec des épices, dont la cannelle. Donc je suis un peu triste. Ah, c'est très ballot, hein, parce que je vois les mousses au chocolat, visuellement elles avaient l'air incroyables. Puis je vois cannelle, je fais eh merde. Donc j'étais grande tristesse. Hein. Ce qui est fou, c'est que c'est deux nanas qui tiennent ça. Et il y a une des nanas donc, qui s'occupe de toute la partie cuisine, mais elle fait donc aussi la pâtisserie. C'est, enfin, je trouve ça dingue le mélange de talents, quoi, tu vois, c'est... Parce que logiquement, t'es soit pâtissier, soit cuistot, enfin, tu peux faire les deux, toi, les cuistots qui touchent un peu la pâtisserie. Mais là, les pâtisseries sont un régal, la cuisine est un régal. Parce que j'ai déjà bouffé leurs cookies, ils sont agréables, quoi, ils sont sains. Tiens, ils font moins crémeux, par contre, que le monstre que t'as ramené au Nouvel An, hein, par exemple. Mais bah, j'aime bien les bouffer, parce que c'est vrai que c'est... T'as le petit plaisir sucré et voilà quoi. Tu mets au congèle comme ça, tu te gaffes pas jusqu'à dimanche. Ah, de toute je crois pas, hein, je me force jamais, mais. Non, mais là, si je mange tous les cookies, c'est soit je prends 100 kilos, soit j'ai un triple pontage. Hein. Secours. Mais. Ça pop ou ça pop pas? Ah, mais oui. Hein.
Oh putain. Ah, j'ai vraiment en manger un, je suis calé. Mais calé de chez calé là, je me sens énorme. Salut les animaux. Ah oui, c'est vrai qu'ils sont à l'étage, les connards là. Non, il y a un étage, puis c'est sur la porte en bas, juste devant. C'est que tu la connais bien maintenant, la mission. Bonsoir aux arrivants, désolé si j'en ai raté. D'ailleurs, tu peux me rajouter 2 slash et rajouter l'antique, on sera sur Hearthstone Battleground à partir de 19h. Soccer, s'il te plaît. Donc, on va faire un training accéléré et intensif du Poichy Clash en plus de Division 2. On va être donc sur Hearthstone Battleground à 19h. Pour la petite blague, en plus, il y aura des drops. Je sais pas ce qu'ils vont foutre comme drop. Peut-être des emotes ou. Je vais être pour le congélo, tu peux conserver plusieurs mois. Ah ouais? Oh bah écoute, on va vraiment les mettre au congélo. Je sais pas si tu blaguais ou pas, Lou. Après, je sais que tu on peut congeler. En vrai, tu peux congeler plein de trucs. Mais écoute, pourquoi pas. Putain, ça veut dire que vous allez pouvoir goûter les. Enfin, pas toi. Cookies et Damien vont pouvoir goûter les cookies de Nat Nat. Et c'est genre quoi, tu les mets au four et tu les. Bah écoute, merci Lou et Xela pour l'info. Je vais tester, parce que de toute façon je pourrais pas les manger d'ici. Je vous dis, non, un c'était trop, là j'aurais vraiment dû prendre la moitié, hein, no joke. Hein. Là je me sens. Genre j'ai le ventre qui va couler du pantalon, quoi, c'est terrible. Grandi, hein. Ça va mieux ton trapèze, toi, d'ailleurs ? Ça va un peu mieux. Pas encore ouf. J'ai hâte d'être fin de semaine pour pouvoir faire de la kiné. Je suis une personne qui fait des pâtisseries, biscuiteries, artisanales. Quand j'arrive à date, je me congèle. Et genre ça, ouais, pour le faire réchauffer, tu mets quoi, micro-ondes, four ? Tu fais comment ? Oh, putain. Je sais que le cookie entier, c'était trop, hein. Mais c'était tentant. Je sais que c'était trop. J'ai été faible. J'ai été faible, messieurs dames, j'ai été faible. J'ai un four micro-ondes avec option de congélation. Yes, yes. D'accord, ça marche. Écoute, je testerai. Sans faute. Putain, vous entendez le bruit de cette arme là? Les patates que ça balance. Bam, 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 bam. Ah, j'avais pas vu ce petit détail. Vous avez vu qu'il y avait un filet de fumée après que c'est chat du canon, c'est-à-dire que t'as une première fumée et ensuite vraiment un petit filet vertical qui s'échappe du canon ton arme. Ah. Faut le dire que certains le savent pas, mais il faut tout mettre dans un sac de décongélation dans une boîte fermée. D'accord. Faut prévoir 6 heures, donc la nuit est attaque. Oui, effectivement, oui, tu les laisses décongeler à l'air ambiant pour ta consommation du lendemain, quoi. Bah Canette, profites-en, il a un énorme promo à moins 70% jusqu'au 26. C'est le moment ou jamais. Et on a un clan de chat, clan de stream, excuse-moi. D'ailleurs je rappelle, on fera sûrement, parce que là je commence à vraiment manquer vénère, le retour de New York la semaine prochaine après le Poichy Clash. De mes obsessions sera fini, le Poichy Clash, donc c'est parfait. Mais il n'y aura pas que ça, on continuera Division 2. Ce sera une petite session de New World, hein. C'est juste que ça me manque un peu. D'un côté, j'ai un peu l'impression d'avoir fait tout ce que j'ai à faire pour l'instant. D'un autre côté, j'ai envie de jouer. Enfin, ça manque de jouer, quoi. J'aime bien faire les donjons. Et ouais, Poichy Clash au week-end en chaîne. Un tournoi inter-streamer multigaming auquel je participe. En espérant ne pas me faire les 1000 au premier tour. Je serai accompagné de Pookie sur un magnifique binôme de 2. Le meilleur binôme qui existe. Pookie alias Xelanos. Alors Xelanos est quand même officiellement joueur suppléant, c'est-à-dire que si Pookie ne se connecte pas, effectivement, si Xela est chaud, ça sera parti. Parce qu'on sait jamais ce qui peut se passer avec Pookie.
aussi bien dans les vrais trucs que les trucs de Pookie. Hein. Genre les vrais trucs, t'as, je sais pas moi, il a par exemple, il a un chien avec sa meuf, le chien est malade, tu dois précipiter au veto et tout, bon bah voilà, il y a des priorités quoi. Ou bah la meuf est malade, Pookie est malade. Mais voilà, mais genre le truc, il se réveille pas, par exemple. Bon, c'est à 14h donc ça m'étonnerait. Mais ouais, enfin je suis obligé, de toute façon dans tous les cas, faut toujours prévoir un joueur supérieur. Quoi. C'est vrai que, admettons que je sois avec Lucas, je sais pas si j'en aurais prévu. Hein. Quand même plus confiance dans la ponctualité de Lucas. Mais ça, il peut t'arriver un truc. Après, il peut toujours arriver un truc hier. C'est ça. Parce que bon, 14h du matin, ça fait tôt, hein, c'est vrai. Ça. Lucas, il a une vie, des potes, une famille, l'enfer quoi. Mais il a pas d'animaux, donc déjà, ça enlève un problème. Je voulais voir si je pouvais bloquer le robot en physique. Oh putain. Aïe ah. Oh, on a tous pris l'électricité. Ouais. Quel enfer. Je vous le retourne, allez-y, vous avez son dos au gros là, au jaune. Impeccable. Nice. Et bien à 3 quand même. Hein. Pas mal. Hein. La forteresse déverrouillée. Ah bah ça y est, en fait, on a fini le. Ok. Bah écoutez, on a pile poil le temps de le faire, donc impeccable. Oh. Pardon, Moon. On a un point de contrôle juste devant, on peut s'épédirer. Impeccable. Beautiful. On va juste aller mettre nos petits points et go. Stuff, point. J'étais un peu mieux, je pense, là-dessus. Voyons voir ça, ice qui est 5 millions. Ah ouais. Un peu mieux. Peu mieux. J'ai littéralement rien, par contre, dans lequel j'excelle. Tristesse. Tristesse. Par contre, Moon, comment ça se fait que t'es premier au niveau des dégâts subis? Tu s'en fous, il... Ce que je veux dire, moi je suis... J'ai plus un mur que toi, que ton bouclier, frère. Je suis devant à tanker, enfin voilà, et... Bah après, toi, ton bouclier, est-ce que ça compte comme dégâts subis? Je ne sais pas, c'est une bonne question. Ah ouais, vous avez déjà lancé, Moon, ah oui, il est chaud. Ah non, même pas, je suis devant pour l'instant. Moi, j'ai la baston, hop. Gardez les armes, 341, non. Quand même checker un peu le stuff quoi. Le kikoula le stuff. 327 e-level, ça monte. Oh putain, je vais crever. Le cookie, et si je meurs, c'est la faute de cookie. Hein. Nat aura enfin réussi à me flinguer. Hein. Hop. GG à Nat. Ok. Black Tusk Transport just dropped off an officer in the plaza behind the building. From here, they look like they're in charge of the op. Et j'ouvre des caches en attendant. J'en peux plus de ces caches. Je peux même pas passer en plus cette animation de l'enfer. Ah si, c'est bon. Chaussures de l'agent supérieur. Rien à foutre. C'est un trigger d'avoir des notifs. Magnifique. Alors, je vais plutôt continuer à lire le truc. Alors, donc prolongation de. Ouais, refusé. Ok. Blizzard précise dans le sien que le marché chinois pesait peu dans son chiffre d'affaires. Ouais. Mais ouais, ça a pas Diablo Immoral. Hélas, que c'est un contrat à part, comme c'est Natis qui l'a développé. Hein. Qu'est-ce que c'est rigolo.
Salut Tidox. Ouais, on t'inquiète, on a le tout dernier cri. Le gouvernement est pas obligé une limite journalière de co. Alors, je sais que le gouvernement chinois, effectivement, se bat pas mal là-dessus. Mais... Attends. Limite journalière, jeux vidéo, Chine. Il y avait effectivement un truc dans le genre là. Le pays a mis en place en 2021 une limite de 3 heures de jeu par semaine pour les mineurs. Oh putain. Après, pour les mineurs, ok, les enfants chinois n'ont déjà pas le droit de jouer aux jeux en ligne après 22 heures. Ni regarder les streams. Oui, parce qu'en Chine, par exemple, tu la mets à quelle entité hein. Imagine 3 heures... Par semaine. Quand t'étais mineur. Ah, chaud, hein. Sur WoW. Imagine 3 heures sur WoW. Là, tu pleures. Évidemment, tous les parents kiffent ça. Évidemment. C'est tout. C'était pour les mineurs, la limite. C'était pour les mineurs. T'es prêt? Eh ben, let's go. Ah, c'est pas par là. Ah, c'est là où vous êtes? Ah, merde. Je sais pas, moi, je suis. Oh, je pense qu'il doit avoir bon. Donc là, on fait le Capitole. Le Capitole, c'était costaud quand même comme mission. Enfin, c'était pas très dur, mais ce que je veux dire, c'est qu'elle était assez longue. Là, elle risque d'être très très costaud. Bon. Allez, Capitole en 42 minutes. C'est parti. Machine, elle a eu son compte. System disrupted. Tellement long à recharger les gros shotguns, bordel. System. Point faible, tué, je le retourne, allez-y. Ça va, c'est pas trop dur là, Lucas, t'arrives à le toucher. Ah, il est pas mort, merde! Là, je peux honnêtement pas faire mieux pour te l'offrir, le mec. Hein. Ah. Quand t'as plus de balles avec la batteuse, t'es content. Ah oui, faut pas être pressé, quoi, côté rechargement. Quand t'es rechargé, t'es en mode bon, bah ouais. Ah, dans 10 minutes, quoi. Je vais les flanquer. C'est parti. Salut les connards. C'est un heal pour moi, Moon. Je sais pas si tu peux à cette distance. Putain, mais c'est blindé cette merde. Ça s'arrête jamais de tirer en plus. Bouclier, tiens, mais Ok. Putain. Hache. Bon, là, pour le coup, on enchaîne quand même très bien la mission. C'est tellement mieux à 3. D'ailleurs, à date, t'enchaînais plus 10 ou pas, toi, sur Newborn? Parce que comme t'es toujours à fond. Enfin, à fond. Toujours présent. Toujours debout. Toujours vivant.